une petite intro de rumba, triade de si mineur, qu'on va décaler en do, ré, mi mineur, ré majeur, do majeur, si majeur. Ensuite, on fera mi mineur, ré majeur, do majeur. On aura un court passage sur un do majeur basse si bémol, c'est-à-dire renversé sur sa septième mineure. Et ensuite, un gros 6-7 des familles. Alors, l'arpège va faire pouce, pouce, index. On joue une mesure de croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4. Et à partir du si, ça va légèrement changer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ce motif rythmique, on va le garder sur les 4 triades suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4. Je le fais entier. Petite falsetta qui va bien. La première note part à contre-temps, c'est-à-dire qu'on arrive de 1, 2, 3, 4. Suivant, on va faire un ping-pong entre mi mineur, si 7, si 7, mi mineur. Donc on arrive de là. Sol, do, si, sol, do, si. La rythmique.
on a en gros deux phrases, deux falsettas rythmiques. Première. On termine comme ça. Et la deuxième. Et on répète ça deux fois. Et le dernier, on va le laisser sonner. C'est-à-dire premier. Deuxième. Ah, je me suis planté. Premier. Ensuite, on se fait un petit crochet sur Mi mineur, Ré, Do et un beau si phrygien. C'est-à-dire. Et deux si phrygiens. Et là, après, les ennuis commencent. Décalé en Do. Donc, première phrase. Question. C'est dur de ne pas le faire vite. Donc si je refais toute la partie juste après les...